bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Motors TV pour suivre la deuxième manche de la Mera Cup après l'Autriche et le Red Bull Ring, direction le Gers et le circuit de Nogaro. Deux courses d'endurance au programme, 18 voitures engagées et un leader, Actua Red Team ETC Racing. Actuellement en tête du championnat après deux victoires en deux courses, qui pourra donc les battre ici à Nogaro? Réponse d'ici quelques instants. Les équipes s'installent donc en terre gersoise le temps d'un week-end, révision des voitures et dernier préparatif avant de disputer les courses. Profitons donc de ce week-end de Nogaro pour vivre l'épreuve en immersion au sein de l'équipe Tech Drive de Maxime Bayeul. Quatre voitures engagées ce week-end, comment est-ce qu'on s'y prend justement en tant que team manager ? Eh bien, c'est quand même pas mal de travail à l'atelier tout d'abord, puisqu'il faut qu'on arrive sur place avec le minimum de choses à faire. Et puis surtout, on a les pilotes qui arrivent le vendredi soir de très bonne heure, donc il faut qu'il y ait un minimum de préparatifs en amont, voilà, c'est tout. Et cette journée du vendredi, alors on s'en sert justement pour commencer à préparer les autos, pour être vraiment prêt pour demain finalement. Voilà, tout à fait. Donc l'installation du stand, puisqu'on va quand même être là pendant plus de 48 heures, donc déjà c'est la chose primordiale. Et puis la deuxième chose, ça va être voilà, de peaufiner les réglages des voitures, de vérifier ce qui s'est passé pendant le transport. On n'est jamais à l'abri d'un écrou desserré, d'une bricole. Donc on vérifie, ça fait pas de mal. Quelles sont les attentes pour l'équipe, sachant qu'on a 4 voitures, peut-être d'un niveau identique ? Alors non, on n'a pas 4 voitures identiques. Enfin, on a 4 voitures identiques sur le papier. Maintenant, on a 2 voitures qui sont clairement pour la gagne, puisqu'on va chercher à viser le championnat cette année, clairement. Et on a 2 autres voitures où bon, là, le but est réellement de se faire plaisir. On est toujours là tous pour se faire plaisir. Mais si on peut se faire un petit podium en fin de week-end, c'est quand même agréable. Si les voitures passent le contrôle technique, les pilotes, eux aussi, dès leur arrivée sur le circuit, doivent procéder aux vérifications administratives. La première formalité du week-end, c'est l'administratif. Donc il faut venir voir Blandine et montrer sa licence et montrer patte blanche. Hein, voilà. Et il faut être sérieux. Non, mais on est tous assurés, soit avec une licence pilote pour une année ou pour le week-end, pour ceux qui viennent occasionnellement. Et après les vérifications techniques et administratives, place à la détente avec l'apéritif de bienvenue organisé par TTM. L'occasion de se retrouver dans une ambiance conviviale autour de la gastronomie locale. Mais dès le samedi matin, les choses sérieuses commencent avec le briefing officiel, rappel des règles de sécurité et des drapeaux. Les pilotes doivent être attentifs aux consignes de course sous peine de sanctions. Du côté de l'équipe Tech Drive, Emmanuel Orgeval, le pilote de référence, donne les derniers conseils à ses partenaires avant de nous présenter le tour du circuit en caméra embarquée. Bienvenue à Nogaro, à bord de la Mera Cup du team Tech Drive. C'est parti pour un tour lancé. On arrive en 5e, très devant les stands, avec un passage tout de suite très rapide en 4e, à gaz en 4, un passage en 3 pour la courbe à droite, suivi d'un droite très rapide, un petit passage sur la corde, et on va dans le double droite des Copen, fameux double droite des Copen. On arrive ici sur un freinage, il faut arrêter la voiture, on est en 2, poser la voiture, accélération, 2, à nouveau une courbe à gauche, très très importante qui conditionne toute la ligne droite. Accélération très tôt, on est parti pour la grande ligne droite de l'aviation. 2, 3, 4, 5, on enchaîne, on va prendre 6 avec une vitesse de pointe à peu près 220 km/h à cet endroit, 220-230, un freinage assez tardif aux 100 mètres pour le droite de l'école en 2, sortie assez serrée, on accélère, on ouvre, 3, 4, et on arrive sur le freinage gauche, très important, bien s'écarter. On arrive sur la troisième, on prend la double parabolique,
en 3, suivi du freinage après la passerelle d'un lob. On arrive derrière les anciens stands, le double droite Claude Forêt. Très important d'aller très haut dans cette partie-là pour bien s'élancer sur une ligne droite derrière. On arrive en pleine ligne droite, 2, 3, 4. On continue en 4 avec un freinage très tard. On reste très tard sur la corde. On reste sur la corde en 3. Accélération, ça conditionne la ligne droite devant les stands. 3, 4, 5. Et nous voilà avec un tour bouclé avec 1 minute à peu près 42. Après une séance d'essai libre de 2h30 pour permettre aux nouveaux venus de faire connaissance avec leur voiture et aux habitués de se familiariser avec la piste technique du circuit Paul Armagnac, les pilotes ont eu 2 sessions de 15 minutes pour se qualifier. Demi-heure d'essai, le français Philippe Marie, voiture numéro 1, a réussi à signer les 2 meilleurs temps en 1.41.619 et 1.41.781, synonyme de pole position pour les 2 courses du week-end. Après le Red Bull Ring, l'équipe Aurès Marie 3D partira donc une nouvelle fois de la position préférentielle et empoche les 15 points de bonus, 2e Tech Drive Leclerc et 3e Tech Drive Intermarché. En première ligne, donc je pense que le départ va être intéressant, la course aussi, la course va être longue, il y a 4 heures de course, donc je pense que on va essayer de tout faire pour gagner, de toute façon ça c'est le but de l'opération. Et comment est-ce qu'on se répartit les rôles pour prendre le départ ou pour prendre le premier relais, comment est-ce qu'on se répartit ça? On essaye de, en fonction des conditions climatiques et en fonction du roulage de chacun, on prend la décision de faire rouler celui qui a le plus d'expérience, parce que les départs c'est important, faut pas se tromper. Faut pas s'accrocher non plus, donc là on va faire partir Manu parce que c'est lui qui a le plus d'expérience dans l'équipage. Et puis après on va voir si on fait des doubles relais ou pas, on n'a pas encore pris la décision pour l'instant, mais ça va pas tarder. Merci Christian. Et avant même le départ, gros coup de chaud pour l'équipe Aurès qui connaît un problème de frein. Grâce à un travail efficace des mécaniciens, épaulés pour l'occasion par certains venus d'équipe adverse, le poleman va pouvoir rejoindre la grille de départ à temps pour cette première course du week-end. Une manche d'une durée de 4 heures qui s'annonce donc déjà très très chaude. Prenons place aux côtés de Pierre Coinon dans la Tech Drive Intermarché numéro 25 pour ce départ lancé. Très bon envol des deux voitures Tech Drive qui se défont de l'Aurès numéro 1 dès le premier virage. Orgeval numéro 16 mène donc devant Coinon, le nouveau papa, et Marie dans la voiture numéro 1. Mais très vite, Philippe Marie va se faire pressant sur son adversaire numéro 25 sous les yeux de Jean-Yves Périssel. La 16 possède déjà 3 secondes d'avance après quelques tours. La numéro 25 est deuxième, la numéro 1 est troisième et les actuels leaders du championnat, la numéro 19, est quatrième. Mais au freinage de l'épingle de l'école, ça passe pour l'Aurès Marie 3D qui revient en deuxième position. Et quelques mètres plus tard, c'est au tour de la numéro 19 d'en faire de même sur la 25. Joie de courte durée donc pour le Tech Drive qui tenait le doublé en ce début de course. Caméra embarquée avec la voiture numéro 12, vous apercevez au loin la voiture 4 du Tech Racing qui se défait de la numéro 2, Racetrack Motorsport, à l'épingle de l'école pour le gain de la 5e place. La bataille est intense entre la numéro 2 orange et la numéro 12. La 6e position de la course est en jeu. Jean-Christophe Rey est déchaîné, mais il ne trouve pas l'ouverture jusque-là. On rattrape quelques retardataires.
Alors que c'est le tête-à-queue pour la voiture numéro 33 aux couleurs du Toulouse Football Club. On arrive à la fin du premier relais, les muscles sont fatigués. Il est peut-être temps de rentrer au stand. Et ça tombe bien justement puisque la première fenêtre d'arrêt au stand obligatoire vient d'ouvrir. La numéro 25 en profite pour s'engouffrer directement dans les stands. Côté de la 16, tout va bien, on mène toujours la course. Pierre Perret prend la place d'Emmanuel Orgeval alors que la numéro 4 s'arrête également après un premier relais effréné. On va écouter Frédéric Malon. Ça a été un début de course assez sport. Hein. Oui, un départ très chaud. Dans les 3-4 premiers virages, c'était un peu du stock car. Donc j'ai réussi à éviter tout le monde, à slalomer et à prendre le meilleur sur les trois premiers qui étaient devant moi. Donc j'étais content. On est parti 8e, remonté 5e après 30 minutes. Je suis assez fier de moi quand même, pensant que je débute vraiment dans la discipline. Sur la piste, c'est chaud également puisque Julien Devin, numéro 25, est revenu dans le sillage de l'Ores numéro 1 et le dépasse dans la courbe. Roger Debosse, il revient en deuxième position. Dans le stand Tech Drive, on est concentré avant le changement de pilote. Dernière recommandation d'Emmanuel Orgeval pour Christian Meynier. Jean-François Gruot donne le relais à Alain Vienne dans la numéro 20. Alors que Julien Devin laisse sa place à Daniel Jobert. Il fait chaud dans la voiture, non ? C'est infernal. C'est infernal. Là, on roule pendant 35, pratiquement 40 minutes avec les doubles fenêtres. On a une partie au fond du circuit, ce qu'on appelle l'escargot, qui est très très difficile pour les bras. On roule sans DA, donc je peux vous assurer qu'après 10 tours, on compte déjà la fin de notre relais et il reste encore 25-30 minutes. Donc là, c'est très très difficile. J'ai eu la chance de pouvoir remonter sur la tête puisqu'on était 4 au moment où j'ai pris le volant et je crois que on a dû passer deuxième, peut-être même en tête. Donc voilà, pour le moment, la stratégie qu'on avait mis en place, qui était d'être sur un rythme fort, mais en préservant la voiture, pour le moment paye. Et à moins d'une heure du drapeau à Damier, les rebondissements s'enchaînent. L'équipe Ores Marie 3D connaît des soucis de boîte de vitesse. Les champions 2013 sont décidément peu en réussite en ce début de saison. Ils vont finalement se classer en 9e place. Devant, la lutte pour la première position s'intensifie. La 25 est revenue dans les échappements de la numéro 16. Mais après une légère sortie dans le bac à gravier, la Lamera numéro 25 va être contrainte à l'abandon, radiateur percé. Grosse déception donc pour l'équipe Tech Drive qui visait le doublé dans cette course. Et au terme d'une épreuve de 4 heures, une nouvelle fois très animée, c'est la 16 d'Emmanuel Orgeval, Christian Meynier, Pierre Perret et Hervé Dumas qui s'imposent devant les leaders du championnat, la numéro 19, actuaire Red Team ETC Racing, et la numéro 12, auteur d'un très beau podium. Allez, bravo les gars. On l'a fait celle-là, allez bien. On l'a mouillé la combi. On l'a mouillé la combi aujourd'hui. Dans les derniers tours, il y a eu un petit souci. Bah on a eu un souci ouais, de frein, alors on n'osait pas trop le communiquer à nos équipiers parce qu'ils auraient peut-être pu profiter de l'avantage, mais on a perdu les freins dans les 10 dernières minutes, donc je suis rentré au stand, j'avais plus de frein, on était en fading complet, donc on a vraiment assuré les derniers tours, enfin, il a fallu vraiment rouler sans frein quasiment. Voilà. Un tour de Nogaro sans les freins, c'est plus compliqué avec des freins de vélo un peu, quoi, hein, des petits patins. Quoi. Confirmation du classement de la course avec la victoire de la numéro 16, signalons la 4e place de la numéro 4. Deuxième journée de compétition sur le circuit de Nogaro, les pilotes se préparent pour cette première partie de course d'une durée de 3 heures avant la pause déjeuner. Et comme toujours, la bonne ambiance est de mise. La 4e de la saison pour l'équipe Ores Marie 3D devant la Tech Drive Leclerc numéro 16 et l'Actua Red Team numéro 19. Caméra embarquée avec la Lamera numéro 25 et de très bon envol d'Emmanuel Orgeval dès le feu vert. Parti en 12e place, nous sommes avec Benoît Gruot. Il remonte.
Devant, c'est bien Orgeval qui mène devant Philippe Marie. La troisième place est occupée par la Lamera numéro 25. Orgeval qui possède déjà une seconde d'avance sur Philippe Marie, la numéro 25 et 3e, devant la 10 et la 19, les leaders du championnat. Derrière, Benoît Gruau remonte, il se défait de Nicolas Oliveira au premier virage. Mais après quelques minutes de course, la voiture numéro 20 doit repasser par les stands, souci mécanique. Séance de réparation pour l'équipe Tech Drive, mais la voiture numéro 20 va pouvoir repartir en piste après quelques minutes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutez, donc on est parti 12e sur la piste, on est remonté 9e dès le premier tour. Et puis la voiture commençait à montrer quelques signes de faiblesse. En sortie de virage, j'ai commencé un petit peu à tousser. Et puis en pleine ligne droite, alors que je m'apprêtais à doubler un autre concurrent, eh bien, j'ai eu peur que ce soit le moteur qui lâche. Et en fait, c'est le cardan. À défaut de coupe, eh bien, je vais repartir avec mon petit trophée, c'est-à-dire la pièce du cardan qui a lâché aujourd'hui. Cardan qui était neuf en plus. Devant, la numéro 1 prend l'aspiration sur la numéro 16 dans la ligne droite et va s'emparer de la tête de la course. L'objectif désormais est de creuser l'écart avant la pause déjeuner. L'équipe Aurès tente donc de faire le nécessaire pour se défaire de l'équipe Tech Drive et revenir dans la course au titre après un week-end du Red Bull Ring en demi-teinte. La numéro 25 est 3e devant les leaders du championnat, l'actua Red Team ETC Racing numéro 19. Ouverture de la fenêtre des stands, l'équipe Tech Drive est prête pour accueillir ses voitures. S'arrête, on va le retrouver après son relais pour qu'il nous parle de son expérience en Lamera Cup. On apprend déjà beaucoup parce que par le format des courses, en fait, tu peux rouler très longtemps, donc corriger un petit peu tes erreurs. Tu peux aussi te faire coacher pendant les essais libres, ce qui est permis par l'organisation, et ça c'est super parce que tu peux avoir des top pilotes qui montent avec toi, comme Manu Orgeval ou Julien Debin ou Max Bayeul, notre team manager, et on peut corriger comme ça 2-3 défauts et progresser plus vite. Et pour un amateur 100% comme moi, voilà, c'est pur bonheur. Il faut vraiment se battre devant. Oui, bah, c'était d'autant plus important qu'à un moment, Manu m'a briefé en me disant que Aurès revenait. Il ne faut surtout pas qu'on perde un tour dans cette première partie de course, parce que tous ceux qui auront déjà un tour à cette première partie, c'est fini. Alors que si on est dans le même tour, sur le prochain départ, on repart, les écarts sont limités, on est juste derrière, quoi. Donc il faut à tout prix sauver ce tour. Et après 3 heures de course, la numéro 1 s'impose finalement avec un tour d'avance sur la numéro 25 et la numéro 16. La numéro 19 termine, elle, en 4e position à 2 tours. Un nouveau podium sera certainement difficile à obtenir ce week-end pour les leaders du championnat. Chez Tech Drive, on profite de la pause pour se restaurer et fêter l'anniversaire de Pierre Coinon. Pendant ce temps-là, dans le parc fermé, les mécaniciens ont le droit de remettre 20 litres d'essence dans les voitures pour le départ de la deuxième partie de la course, alors que les pilotes se reposent avant l'effort. Écart conservé, la numéro 1 s'élance donc avec un tour d'avance sur la Tech Drive Intermarché numéro 25 et la numéro 16. Christian Demigneux prend un bon envol, l'objectif de l'équipe numéro 19 est de remonter au classement. Caméra embarquée dans la numéro 10, auteur d'un départ spectaculaire, 4 places de gagné dans le premier virage. C'est désormais la voiture numéro 4 qui va être sous la menace de la Color Dream Racing numéro 10. La numéro 1 qui est devant la numéro 25 et la numéro 19, il y a toujours un tour d'écart donc entre les deux hommes. Ça sort large pour la voiture numéro 12 du Cars Racing qui revient en piste et la numéro 10 qui va en profiter pour se défaire de ses deux adversaires au premier virage. Quelle belle manœuvre! Mais malheureusement, la joie est de courte durée. Arrêt au stand pour réparer un cardan cassé sur la 10. Sur la piste, la Tua Red Team ETC Racing numéro 19 passe la Tech Drive Intermarché numéro 25 à l'épingle. Christian Demigneux est très remonté.
Horace Marie 3D numéro 1 mène donc la course, alors que la numéro 16 a pris un départ moyen. Toujours troisième, l'équipe a perdu quelques positions sur la piste. Il ne faut pas perdre un deuxième tour s'ils veulent monter sur le podium. Et du côté de son équipier, la numéro 25, on se défait des retardataires. Attention au contact. La numéro 31, Ash Racing, qui a connu quelques soucis en première partie de course, est repartie. Et dans le classement Gentleman, après sa victoire de la veille, la Sport Emotion numéro 28 est encore en tête devant la Triangle Paris numéro 17. Troisième position pour la Triangle Nord numéro 8, les pilotes amateurs prennent beaucoup de plaisir, comme va nous le confirmer Jérôme de France, pilote de la voiture numéro 10 ce week-end. J'avais sponsorisé la voiture l'an dernier, qui a gagné championnat, et j'avais envie de prendre le volant. Et là, pour l'instant, l'expérience est bonne. L'expérience est très très bonne. Je suis sur une voiture qui est très bien réglée, qui marche très très bien. Wilfried fait des très bons scores, et moi je me suis même surpris avec des résultats très intéressants. Après une course entièrement maîtrisée, l'Horace Marie 3D numéro 1 s'impose donc avec un tour d'avance sur la Tech Drive Intermarché numéro 25 et la Tech Drive Leclerc numéro 16, qui aura pu finalement maintenir le tour d'écart qu'elle avait. C'est la joie pour les champions en titre vainqueurs donc pour la première fois cette année. Super. On est bien content d'avoir remis le couvert à Nogaro, d'être dans la position qu'on mérite, entre guillemets, hein, même si rien n'est acquis. On a fait la pole pour les deux courses, on a eu un petit ennui mécanique pour hier, bah, ça c'est pour tout le monde pareil. Et enfin, on peut finir devant pour la deuxième, donc on est très content, on a passé un bon week-end. Confirmation du classement de la deuxième course avec la victoire d'Horace Marie 3D devant la numéro 25 Tech Drive Intermarché et la numéro 16 Tech Drive Leclerc. Et au championnat, c'est toujours la numéro 19 après deux épreuves qui est en tête avec 370 points. Mais le Tech Drive est deuxième avec 364 points. Le bonheur est total sur le podium pour les vainqueurs en gentleman et pour le classement général. Et c'est sur ces images de joie que se termine ce meeting de Nogaro. On se retrouve le 29 juin prochain sur le circuit de l'Ednon pour l'épisode 3 de la Mera Cup. A très bientôt sur Motors TV. Salut! Gagné.